quelques pourcents. Oui, là, rien n'est changé. Reste 65 ans, car les professionnels libres... Les deux assemblées, et ceci pour le bien des Français. Les exigences de justice, je pense que nous les avons prises en compte. Et ma troisième réflexion, c'est de dire que nous devons être conscients que dans un monde ouvert, il ne peut pas y avoir une exception française qui permette tout à la fois des régimes spéciaux qui partent à 52 et 55 ans et qui n'existent dans aucun autre pays, et en même temps 35 heures et le départ général à 60 ans. Si c'est cela, eh bien on peut parier sur le déclin du pays. Et moi, ce qui... Autre question ? Oui ? Je dirais, répondu aux demandes des Français. Et comme l'a dit Pierre... C'est pas une bataille juridique. Le résultat de cette commission mixte paritaire est celui qui était malheureusement attendu. Nous avons eu face à nous une majorité absolument fermée à toute discussion de fond. Nous avons proposé d'engager, que soient engagées des négociations par le gouvernement avec l'ensemble des partenaires sociaux dans un délai très rapide pour marquer la disponibilité du gouvernement à répondre aux préoccupations des Français. Cela a été balayé d'un revers de la main.